Buenos días a todos mis seguidores que siguen este video en este momento. Ahora voy a traerles un buen video. En este video vamos a ver cómo se puede identificar un niño malcriado o un niño mimado. No olviden que el señor que está mirando ahí se llama Narcisse, su profesor. En el video se va a aprender que yo puedo identificar un niño mal élevé, même si es la primera vez. Jo, ouais, même si c'est pour quelques minutes ou passer beaucoup de temps. Nous avons 6 points qui sont capables de faire ça. Ce sont des gens qui sont mal élevés. Je dis mal élevé, mal criado. Ok? Niño mal criado, enfant gâté, enfant doloté. Et le numéro 1, un niño mal criado est celle qui nous accepte à elle, non? Non, elle nous accepte à elle, non. C'est qu'elle est siempre tener lo que quiere. Que digo ahí? Mwen di nou, yon ti moun mal elve, son ti moun ki pa jam d'akò pou di non pou kelke swa sal mande. El vle toujou genyen sa li dezire. Sa se yon premier point ki ka fowe son ti moun mal elve. El punto dos, un niño mimado es el que no aprecia nunca lo que hace por él. Digo, un niño malcriado o mimado es el que no aprecia nunca lo que hace por él. En vez de decir gracias por lo que hace por él, dice mejor, dame. ¿Se ve? Dame. Nous dit deuxième point, hein? Ti moun mal élevé, ti moun doloté, li pa jamais apprécié ce qu'on fait pour lui. Tant pour lui dire merci pour un bagage ou fait pour lui, il dit bam. Hein? Bam. C'est comme si son obligation, ça qu'on fait pour lui, hein? Ou doit ça. Mais ça, c'est un comportement, un petit monde gâté, un enfant gâté. Et le point 3, un niño mimado exige siempre, nunca satisfecho con lo que quiere tener. Nous disons un petit monde mal élevé, ou bien un enfant gâté, il est toujours exigeant, il n'est pas jamais satisfait avec ça le gagné. Quatrième point qui a aidé nous, c'est un petit monde gâté. El cuarto punto que puede ayudarnos a identificar a un niño mimado es un niño que quiere siempre más. Él es siempre insaciable. ¿Se ve? El punto 3 se parece mucho con el punto 4. ¿Se ve? Nous dit troisième point, il semble avec quatrième point. Nous dit enfant gâté, il toujours veut plus. Et il est un petit monde qui est insaciable. Dans 3, nous te dit, c'est un petit monde qui n'est pas jamais satisfait à sa gagne. Dans 4 là, nous dit, il toujours voulait plus. Et puis, il est toujours insatiable. Un monde qui est insatiable, c'est un monde qui n'est pas jamais satisfait. D'accord? Et le point 5, un niño así no se disculpa nunca. Es a menudo grosero. Para cualquier cosita. Si quiere listo para pelear, es el comportamiento de un niño mimado. El último punto es el punto 6. Cuando un niño es mimado o malcriado, este niño se puede pelear para cualquier cosa. Una cosita que no tiene casi ningún valor por él. Es muy valoroso. Se puede hacer cualquier cosa malo o se puede hacer cualquier cosa mala. Bueno, todo lo que puede hacer puede suspender a cualquier persona que lo ve. Ok, nosotros es 6 points que pueden identificar un timón mal élevé, un timón gâté. Donc, nous te voyons en 5e point, nous disons un timón qui n'a jamais demandé pardon, qui n'a jamais dit excuse. Pour quelqu'un soit sale faire, il n'a jamais dit excuse. Il toujours connaissait les gains raison pour n'importe sale faire. Dans le sixième point, dernier point, mais j'ai des petits gens qui sont grossiers, qui sont prêts pour gourmer, pour n'importe quoi. C'est comme ça, enfant gâté. Bien, puedo decirles que era un placer para mí para compartir con ustedes este bonito punto. Como les dije ahorita, en este video van a disfrutar algo muy importante, algo que puede ayudarles a ustedes para ver cómo puede criar sus niños. Ok, era Narcisse.